Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Donc on n'a pas beaucoup de temps, voilà, j'ai préparé une petite sélection de photos, d'extraits de films, ça va aller très très vite. Donc on m'a demandé de présenter un peu plus de 20 ans de terrain, hein, puisque j'ai commencé à aller en Mongolie en 1997. Donc on va regardez un peu ça. Voilà, donc je reprends du début. Hein. Donc je m'appelle Laetitia Merli, je suis anthropologue, réalisatrice de documentaires. Et j'ai atterri pour la première fois en Mongolie en novembre 1997. Donc au départ, je ne connaissais pas du tout de chaman, hein, puisque c'était l'idée de départ était d'aller rencontrer des chamans. En Mongolie post-communiste. Et donc j'étais à l'UHESS avec Philippe Descola, en supervision avec Roberta Maillon, qui me disait bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de chaman quand même, donc ça va être peut-être compliqué, faudra quand même aller sur place vérifier. Et c'est vrai que quand j'arrivais, bon, déjà c'était avec une bourse bilatérale et j'étais logée en CTU, donc très vite je me suis aperçue que ça allait pas, c'était pas mon idée du terrain. Voilà, j'allais pas rester à la CTU, il fallait que j'aille habiter quand même chez des vrais Mongols. Pareil pour l'université. Au départ, on m'a dit bon ben vous allez apprendre parfaitement le mongol, comme ça vous pourrez travailler sur des corpus de textes. Et là, pareil, je dis bah non, c'est pas du tout comme ça que je vais travailler. On me disait oui, parce que vous comprenez les chercheurs mongols ont déjà beaucoup travaillé sur le chamanisme, hein, donc voilà, ils vont vous expliquer ce que c'est, et puis vous allez travailler sur des textes. Donc en fait, en 2 jours, je m'étais déjà enfuie de la CTU et de l'université. J'avais trouvé une famille d'accueil, voilà, une pension de famille. Hein, ça me coûtait 100 $ par mois, donc moi je trouvais que vraiment je pouvais me le payer, quoi, il n'y avait pas de problème. Et c'est dans la semaine quand même que j'ai compris que le salaire moyen était à 70 $ par mois. Donc voilà, c'était un peu cher, mais moi j'avais les moyens. Et donc ça, c'était un peu les premiers problèmes de logistique. Et bon, en plus, oui, j'avais pas reçu ma valise. Donc en fait, pendant 10 jours, je suis restée habillée comme j'étais, ce qui m'a permis de découvrir la ville et d'aller chercher de partout, brosse à dents, culottes, chaussettes, etc. Donc ça a été une initiation aussi du terrain très très vite là pour découvrir ce qu'il était possible d'acheter. Et quand même, deuxième problème, une fois que j'avais réglé un peu la logistique, c'était où trouver des chamans. Parce que, bon, je rencontrais des expats de longue date qui étaient là-bas, je rencontrais des chercheurs, etc., qui me disaient non, il n'y a plus de chamans en Mongolie. C'est terminé, 70 ans de communisme, etc., ça va être très très compliqué. Il y en a dans le Rufsgul, dans le nord de la Mongolie, mais bon, ils ne vont sûrement pas vous accepter, enfin voilà, ça va être compliqué. Et donc, toute désœuvrée que j'étais à Oulan-Bator, à errer un peu dans la ville pour commencer à prendre mes marques. Bon, c'était en novembre, il faisait déjà moins 30. Voilà, c'était un peu un choc. Je me demandais vraiment ce que je faisais là. Et voilà, la rencontre de ma vie, ça a été avec ce monsieur-là, Temer, que j'ai rencontré par un moine dans un bar. Avec sa robe safran, qui m'a offert un whisky, qui fumait toutes mes clopes, et qui m'a dit « Mais comment ça, tu cherches un chaman ?» Mais moi, j'en connais des chamans, bien sûr, c'est mon maître là qui m'a initié. Et donc, en fait, en 3 jours, voilà, c'était la rencontre la plus importante de mon terrain. C'est que j'avais trouvé ce moine-là qui, bon, bah, tout défroqué qu'il était, faisait des initiations avec ce chaman-là. Donc le lendemain, il m'emmène, il me dit « Mais voilà, il y a un chaman là, à côté de la gare, enfin c'est hyper central, il habite dans une petite maison à côté de la gare, si tu veux qu'il nous reçoive bien. » Alors tout ça en anglo, mongolo, russe, hein, voilà, parce que je ne parlais pas encore trop mongol, un peu de russe et avec l'anglais, lui il parlait un peu anglais, donc on arrivait à communiquer. Et donc il me dit, bah, si tu veux qu'ils nous reçoivent bien quand même, il faut une bouteille de vodka, quelques bonbons et biscuits, une écharpe bleue, on va en voir peut-être sur d'autres photos, une écharpe cérémonielle bleue, et puis hop, tu vas voir, ça va être dans la poche.
Il n'y a pas de souci. Et donc voilà, c'est ainsi que débuta mon terrain autour d'une bouteille de vodka avec un moine défroqué et un vieillard malicieux, un peu espiègle, joueur et rieur, avec qui j'ai passé de nombreuses années. Donc on me voit derrière, voilà, j'ai toujours un casque, une caméra, un appareil photo, bon. Et puis voilà, il m'a emmené partout avec lui. C'est ce qu'on appelle un gatekeeper dans notre jargon d'anthropologue, c'est-à-dire que c'est vraiment celui qui nous ouvre le terrain. Voilà, c'est quand on arrive sur un terrain, ce terrain, il faut l'ouvrir. Donc c'est vraiment ce mot-là qu'on emploie. Et tant qu'on n'a pas la clé, tant qu'on n'a pas le gardien, le gatekeeper vraiment qui va ouvrir ce terrain et qui va nous faire accepter, bon, bah, la vie est quand même plus compliquée. Alors qu'une fois que voilà, les portes s'ouvrent avec ce monsieur-là qui un jour m'a dit, moi en tant que chaman, bon, ma mission c'est d'aider les gens. Donc toi, si ton problème c'est de faire des études sur le chamanisme, je vais aussi t'aider. Donc il y avait vraiment ce contrat d'emblée qui était, voilà, je sais très bien qui tu es. Enfin, j'avais un positionnement d'anthropologue, de chercheur, voilà. Je n'étais pas là pour me faire soigner, je n'étais pas là pour devenir chamane. Donc le contrat était très clair dès le départ. Et c'était, bon, bah, si toi, finalement, tu n'as que ça comme problème, eh ben, ça va être plutôt facile, quoi. Tu n'as qu'à me suivre et puis je vais te présenter à tout le monde et puis tu vas voir. Ça va très bien se passer. Donc j'avais un petit film aussi avec lui. Hop. Donc... ce chaman te meurt. Et tu suis un toronjo. Totonjo sco. Mimjo. Une harwater. Barre une bougel, t'en perds des boutiques. Barre d'attaque. Бурхнаатай их танд биш. Бүгд. Бурхнаатай их танд үнэхээр ганц ч байхгүй. Бүгд энэ байгалаас. Тэр учраас энэ хүн төлөвтгөж үүснээс чинь Монгол бүгэн голонд. Монгол бүгнэр үүсгэж, бүгнэр үүсгэж чинь одоо амьдралаа одоо энэ байгалаас зэрэгжээд хүн бол байгалаас дижигчээд байгалаас бүх юм аа. Ah voilà, très bien. Donc on va passer comme ça du diaporama au film. Alors le diaporama du coup il marche plus parce qu'il doit se dire qu'on l'a bugué. Hop, voilà. Donc cette première famille, un peu voilà, ça a été vraiment ma première famille de chamans, puisque Temur avait des apprentis, il était entouré hein, de pas mal de gens, d'assistants, d'apprentis chamans, d'étudiants, de gens qui le suivaient. Donc vraiment pendant des années, ça a été une communauté assez large, hein, c'est-à-dire que j'avais pas accès juste à un seul chaman, mais du coup à plein d'autres. Hein, et puis il y a vraiment cette notion, bah, faire du terrain, c'est quoi finalement? C'est vivre avec les gens. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on boit, on mange, on fume, on discute, on est assis par terre, dans des petites pièces, autour d'un feu. Et donc il y a vraiment cette confrontation au quotidien. Et c'est comme ça qu'on crée le terrain, en fait. Hein. C'est que le terrain, on ne peut pas le décider avant. Hein, comment aurais-je pu imaginer rencontrer ce vieux monsieur, tout ça. Bon, c'est vraiment se laisser porter et garder à l'idée que le terrain se construit autour de soi, hein, au fil des aventures, des rencontres, des péripéties. Et j'ai vraiment en tête cette phrase de Jeanne Favre-Saada, qui avait travaillé sur la sorcellerie dans le bocage, qui disait que en fait, notre outil privilégié, c'est nous. Voilà, c'est nous, notre corps, notre personnalité, et que voilà, en dehors de ça, on peut avoir des théories, des concepts, etc. On travaille avec ce qu'on est, et c'est vraiment notre premier outil.
Donc, eh ben, il advient ce qui advient. Voilà, on rencontre des gens, on se laisse un peu porter. Et donc, dans cette confrontation un peu banalisée au malheur des gens, hein, parce qu'on passe sa vie quand même en consultation. Donc, les gens qui vont voir un chaman, ils vont le voir parce qu'ils ont des problèmes, ils sont soit malades, soit il y a du malheur à répétition dans la famille, soit il y a des problèmes de sort, etc. Donc, cette confrontation à la vie quotidienne, elle est un peu biaisée par le fait qu'on passe sa vie quand même en consultation avec le chaman qui, dans un premier temps, fait de la divination, puis parle avec les gens, accueille les problèmes des gens, discute, etc., trouve une solution de façon rituelle et chamanique, hein, trouver les rituels les plus appropriés pour aider les gens. Et donc, il y a un peu cette notion de complicité aussi. C'est qu'on est là avec les gens, on est quand même impliqué dans quelque chose de très personnel et très intime. Et Temer disait aux gens qui disaient « Oh là là, attends, il y a une étrangère avec une caméra et tout ça en plus. » Ou bon, des fois, pas de caméra, hein, j'ai pas toujours filmé. Mais voilà, des gens qui disaient « Comment ça va? Qu'est-ce qu'elle fait là ?» etc. Lui disait « Mais non, elle est des nôtres, elle connaît notre souffrance, elle connaît notre malheur. » Donc en fait, ces années de terrain, là, sur plus de 20 ans, hein, c'est vraiment ça, c'est que je ne suis pas devenue native, comme on dit en anthropologie, là, c'est pas, je ne deviens pas mongole, je suis juste devenue plus humaine, parce que j'étais confrontée à cette vie avec les gens. Donc il y a eu beaucoup de voyages, voilà, je suis partie à cheval dans le nord, chez les éleveurs de rennes, parce qu'au début, ma petite communauté, elle était surtout à Oulan-Bator. C'est là-dessus que j'ai fait ma thèse et puis mon livre, plutôt sur... l'idée d'un renouveau chamanique en Mongolie post-communiste. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi sur les idées, sur les notions politiques, de revendications identitaires, culturelles, etc. Puis après, j'ai quand même beaucoup voyagé, rencontré des chamans, des gens, participé à la vie des gens. Voilà, voyager, rencontrer d'autres chamans, voyager dans des paysages, d'autres paysages. Filmer, voilà, c'est un peu le quotidien, hein, c'est quand on n'est pas assis par terre dans une yourte ou dans un tipi à discuter de la vie des gens, bon, bah, le reste du temps, c'est quand même, on est dehors avec les animaux, on s'occupe des petits yaks, on s'occupe des rennes, on va traire les yaks, on s'occupe des chevaux, voilà. Et puis on passe beaucoup de temps avec les enfants aussi, parce que finalement, bah, les enfants... déjà, ils prennent le temps de nous écouter, et même si on baragouille certains, voilà, on n'est pas très bon en mongol, bah, du coup, ça les fait marrer. Et puis, donc, j'ai passé beaucoup de temps avec les petites filles à jouer, à m'occuper des enfants, à traîner un peu dehors avec elles. Bon, c'est un peu la grosse majorité du temps, hein, du temps passé sur le terrain. C'est quand même ça, c'est jouer avec les enfants, s'occuper des rennes, faire la cuisine. Et puis voilà, faire beaucoup, beaucoup de rituels chamaniques, être tout le temps en fait avec les chamans. Donc du coup, cette position privilégiée aussi, elle m'a permis de devenir assistante de chaman. Puisque finalement, les patients, les clients ne font que passer. Mais moi, j'étais toujours là à côté. Donc finalement, au fil des années, j'ai pris un peu des responsabilités. Alors je vais m'arrêter sur cette photo-là. Parce que vous voyez, ça va très très vite là, c'est chaman, voyage, chaman, voyage, chaman, voyage. Et puis il y a des moments où on se demande vraiment ce qu'on fait là. Et ça, il ne faut pas le laisser de côté. Voilà, on en parle très peu dans les bouquins, mais le terrain affecte quand même le chercheur. Hein, ce n'est pas tout rose tout le temps, on sait qu'on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, on est complètement décalé. C'est pas notre culture, on n'est pas avec notre famille. Des fois, on est accepté, des fois, c'est pas qu'on gêne, mais voilà, des fois, on est obligé de se fabriquer un peu un faux self. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des gens avec qui on s'entend très très bien et puis ça roule. Et puis, il y a d'autres gens, on se force un petit peu parce qu'on se dit, non, j'ai un chapitre à écrire là-dessus, il faut quand même faire copain-copain, mais des fois, c'est pas complètement naturel. Ah, donc, c'est des notions quand même importantes du terrain. C'est que des fois, on est content de partager du temps avec des gens, et puis des fois, non.
hein, notamment en ville. Quand j'ai commencé à travailler sur les histoires politiques de revendications culturelles, j'ai été rattrapée par les mouvements nationalistes, par exemple, qui m'ont dit que, en tant que Française, il fallait que je prenne contact avec le Front National Français pour être la représentante en Mongolie, et que comme ça, j'allais les mettre en contact, etc. Et moi, je disais mais non, et eux ne comprenaient pas. Ils disaient mais ça fait des années qu'on te connecte avec nous, tout ça. En fait, nous, maintenant, notre mouvement, il est en train d'évoluer. Il faudrait vraiment que tu crées des ponts. Bon, on va dire que là, je me suis un peu forcée et qu'après, j'ai coupé les ponts avec ces gens-là qui étaient plutôt des intellectuels et qui avaient des revendications très culturelles et nationalistes. Voilà, donc, ce n'est pas tous les jours rose. Et c'est très peu débattu dans les bouquins d'anthropologie, où voilà, on dirait que l'anthropologue arrive, il a la science infuse, il a tout compris tout de suite. Bon, mais non, parce que c'est vraiment de l'interprétation. On n'est pas toujours à tout comprendre de comment les gens vivent. Et puis justement, ce ne sont pas des systèmes de représentation, ce sont des gens qui vivent. Et avec toute leur singularité, toute leur différence des gens entre eux. Voilà, donc il y a un moment, voilà, passer un peu le « qu'est-ce que je fais là ?» et « comment je vais me sortir de tout ça ?» après avoir fait plusieurs films et puis aussi un livre et tout ça, bon, qui découle de ma thèse. Il y a un moment où je suis passée un peu plus de l'autre côté, on va dire. Hein. C'est que, voilà, j'ai commencé à me faire aussi traiter pour moi, voilà, avoir un peu des expériences quand même de rituels pour moi. Et puis j'avais ce rôle aussi de... Puis voilà, après je suis passée à j'ai fait des ventouses et des trucs, voilà. Donc quand on participe quand même, on donne de notre personne aussi. On y va, quoi. Et puis alors, avec cette chamane-là, Ingtuya, avec qui je suis toujours en relation et tout ça, que je vois chaque année, là ça a été très très fort, parce que là ça a été comme ma deuxième famille. Donc j'avais connu voilà, plein de chamanes pendant une bonne dizaine d'années. Et puis au bout d'un moment, là, ça a été vraiment ma famille de cœur. Et puis surtout que l'évolution du terrain a fait que de nouveaux apprentis sont venus apprendre avec elle. Enfin, du coup, des Occidentaux, des Français, des Françaises, de plus en plus, sont venus lui rendre visite pour devenir chamane, pour vivre des expériences, pour être initié, etc. Donc ça, pareil, c'est pas un terrain que j'ai choisi, hein, c'est le terrain qui s'est modifié. Et donc au fil des années aussi, j'ai commencé à travailler sur les Français, les Françaises qui venaient s'initier. Donc c'était un nouveau terrain, un peu néo-chamanisme, avec des Occidentaux, quand même, qui vivaient des expériences authentiques. Est-ce que ça se met en route, ça? Non. Ça se met pas en route. Faut que j'aille. J'ai déjà débordé le temps, je crois. C'est horrible. Non, mais c'est trop court, hein, ce format-là. C'est trop court. Ok, je montre un petit truc. Non, je suis plus du tout dans mon dossier, là. Bon, tant pis. Je voulais montrer la petite vidéo, là, du... de Ingtuya. Et puis voilà, c'est pas grave, le reste... Ça va trop vite. La petite vidéo là de... Ouais, voilà, juste pour montrer ça. En grand écran. Donc voilà, on fait il se passe des grands rassemblements, il y a plein d'élèves, voilà, elle fait de la divination, et puis des enseignements. Tac, tac. Ouais, voilà, non, mais voilà, ça va. On va montrer ça. Ok.
Donc voilà, Ngtuya, qui aujourd'hui a plein d'élèves occidentaux. Donc moi aussi, j'y retourne chaque année. On organise des grands rituels, etc. Et ce que je voulais dire, c'est que quand mon terrain va évoluer et que je me suis retrouvée avec des chamanes françaises, ma perception aussi distanciée, voilà, anthropologie, a complètement changé. Parce que du coup, j'avais quand même quelqu'un de ma propre culture qui me racontait avoir vécu telle et telle transe, avoir vu des esprits, etc. Donc c'était plus du tout comme quand j'avais un vieux chaman qui me disait « Oui, alors tu vois, le monde des esprits, tout ça. » Non, là, j'avais quelqu'un quand même qui aurait pu être ma voisine, ma copine. Donc j'avais des gens très proches qui me racontaient ça. Et puis ça a été une, deux, trois, quatre, cinq, six, voilà, et plein, plein d'expériences. Donc on va dire qu'aujourd'hui, tout ayant commencé mon terrain de façon voilà, anthropologie culturelle, etc., aujourd'hui, je m'intéresse vraiment aux mécanismes de la transe, à la transe thérapeutique et au côté vraiment comment ça marche et comment on peut s'en servir, etc. Voilà, j'ai un peu dépassé le côté d'anthropologie pour m'intéresser plus au côté psychothérapeutique, ce que je suis devenue aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, je suis plus psychothérapeute qu'anthropologue. Et je continue à travailler dans les milieux chamaniques, mais en France, vous voyez, ça se passe en France. Parce que en tant qu'anthropologue qui faisait des films et tout ça, j'ai commencé à être invitée sur des rassemblements en France. Voilà, ça c'est en Dordogne, il y en a eu d'autres voilà, un peu partout en France. Et j'ai fait un film aussi qui s'appelle « Aujourd'hui les chamanes » sur le chamanisme en France. Où là, j'ai rencontré beaucoup de chamanes français, j'ai travaillé avec eux. Et chaque année, il y a des rassemblements où ils invitent tous les chamans, plein de chamans du monde. Hein, voilà, il y a des Kogis, des gens d'Amazonie, des Mongols, voyez, Amazonie. Il y a des Celtes, des Shipibo, une délégation mongole aussi qui vient chaque année. Voilà. Donc c'est vraiment un mouvement qui a pris de l'ampleur. Et du coup, de la Mongolie, où on me disait bah, « il n'y a plus de chamans du tout et ça va être très difficile d'en rencontrer », aujourd'hui, en fait, je passe ma vie en France avec des chamans comme ça. Voilà, merci.